Je me présente, je suis Ablaye Diabaté, je suis artiste, musicien, chanteur. Ça fait couler des larmes aux yeux, franchement. Je compare les deux. Je regarde sur le passé à travers le présent. Quand je voyais autant Modibo Keïta, quand je faisais la semaine nationale, je ne cesse de parler de ça, hein, parce que mes enfants me disent que ah, quand tu causes avec papa, il ne te parle que de la semaine régionale et peut-être la biennale. Quand tu vois la jeunesse au moment de la semaine régionale et de la semaine nationale, on était tellement soudés, on s'aimait tellement, on était regroupés. Quand tu vas à Gao, tu te croirais à Bamako. Tu viens à Bamako, tu te croirais à Tombouctou. Tu vas à Tombouctou, tu te croirais à Kaï. Tellement qu'il y avait le brassage de la jeunesse au moment de la semaine régionale. Ça, c'était au temps Modibo. On le faisait sans argent. Absolument rien, on ne donnait pas 5 ans. On recrute Ablaye Diabaté pour faire la chanson, bien pour faire le ballet, pour danser le ballet. Ablaye Diabaté refuse. On va dire à ton père, hey, ton enfant a refusé de venir chanter, il vient de venir danser. Viens danser à la place de ton enfant. Et gratuitement. Donc si tu n'es pas maudit, tu viens, tu danses et tu laisses ton père en paix. Ça, c'est le temps Modibo. Le chant collectif était là. Pour tous les villages. Ça, on a cassé ça. On ne voit plus la semaine, les semaines. Après la semaine, on est venu à la biennale. Joro Mimbala, il est sur le plan social. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Quand tu quittes Gao, tu viens dans la région de Kaï, tu parles son rail. Ah, quoi est-ce que tu as? On te dit, pourquoi tu as fait un joint? Ma façon, il y a un peu de. Mais depuis que la semaine nationale est bien en train de se faire, il y a des gens qui sont en train de se faire. Moussa Traoré n'en a que tous les 2 ans. Sportif et artistique. Je nous fais faire la nyonga. En Kamou na nyonga. En Tindou na nyonga. Aïe nyonga kame. Aïe nyonga abiye mauta. Nebi abiye biko suraka. Suraka ba abiye biko manga. Manga ba abiye biko bamana. Bamana ba abiye biko maraka. Maraka bi abiye bi iko mina fosine fosine ba abiye biko mimianga. Nyanga ba biye biko boso biya biye ko somono somono biya biye ko karo ala ndu donga bonyono bien le ok anani bendi c'est pour ni bendi dao en 64 quand il y a la paix il y a tout, il y a l'amour, il y a l'ambiance du monde du mambe kasa du mambe ni so diabe na quand il y a ni bendi moko sana nyoy moko bana nyona niu bana nyona balma ru bana nyona demali akoso. Le rôle du griot, parce que le griot a toujours été communicateur, moralisateur, conciliateur. Ça, c'est le rôle du griot dans tout le monde entier. Nous, on ne fait que ça. C'est notre métier. Mais avec l'arrivée du média, des médias, la radio, la télévision, le téléphone, les portables, les réseaux sociaux, ils ont amoindri le rôle du griot et le griot ne fait que chercher à vivre en ce moment et suivre ses diatriques. Le rêve du griot est en train de se perdre petit à petit. C'est pas encore perdu, on a encore une petite chance. C'est pas perdu. Mais faisons un peu attention à la politique. Aux hommes politiques surtout. C'est pas facile, mais il faudrait qu'on essaye. Parce que les hommes politiques, c'est eux qui ont divisé. Les griots. Ça a été une leçon. Quand on crée un bureau pour les griots, Le bureau n'a pas besoin de bureau. Ils ont besoin d'un vestibule de l'hublot, mais on n'a pas besoin de bureau. Tu crées un bureau pour les griots, tu les as déjà divisés. Ceux qui ne veulent pas rentrer dans ce bureau, qui sont dans le vestibule, qui sont indigènes et traditionnels, ne vont jamais accepter d'aller au bureau. Je suis un artiste, je suis apolitique, mais je soutiens mon pays et la paix dans mon pays. Tous ceux qui veulent l'avantage de ce pays, je compte parmi ceux-ci. Quel est le régime qu'Ablaye Diabaté n'a pas soutenu? Il n'y en a pas. J'ai soutenu le régime Modibo qui était en 64.
J'ai soutenu le régime Modibo Keïta en 64. La chanson Bendé qui fait feu actuellement, c'est en 1964 que j'ai composé cette même chanson pour le président Modibo Keïta. Pour l'entendre, parce que il y avait une révolution le 22 août. En 65, le 22 août, c'était une révolution, c'était pour renverser le pouvoir Modibo Keïta avant Moussa Traoré. J'ai soutenu Modibo Keïta avec le morceau Bendé. Donc ça veut dire que j'ai commencé par Modibo Keïta, que j'ai soutenu. Après le régime Moussa, j'ai bien soutenu Moussa Traoré. J'ai chanté pour Moussa Traoré. Après Moussa, je n'ai pas chanté pour la transition, parce qu'au mois de la transition, je n'étais pas là. Mais tout le monde disait qu'Ablaye Diabaté est ami d'ATT, parce qu'on se ressemble. Quand je dis qu'Ablaye Diabaté est politique, mais quand il y a 20 candidats en République du Mali, 20 candidats de Sigoro Beneka Salon, qu'on a appelé Djibaté Naïka, la campagne. J'ai une seule chanson pour tous les partis en République du Mali. Danama. Quand il s'agit d'Adema, il dit Adema de Danama. Quand il s'agit du RD, URD de Danama. Quand il s'agit du RPM, RPM de Danama. Quand il s'agit de CENI, CENI de Danama. Donc ça veut dire que on a un peu de temps. C'est ma manière de parler et c'est ce que j'ai sur le cœur et c'est ce que j'ai fait sortir. Je ne suis contre personne et je suis pour tout le monde. Parce que je suis là, 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 c'est le même Ablaye Diabaté. Mangeons dans le même plat, on a fait comme une enculée. Ce pays est dans un puits, puits dans lequel ñiati ki ti bi akono de ñiati ki de bi akono na ma bo ambe meti bi la yeleen ti di ñina ala sa ko sa ko